Et eh bien bonsoir les gens, c'est Ouli, on se retrouve pour un tout nouvel épisode de notre Let's Play sur Pokémon Ranger Nuit sur Almia. Dans l'épisode précédent, on était retourné à l'école des Rangers pour faire une petite journée questions-réponses. Sur notre route, on a croisé les sombreros qu'on a pu combattre une fois avec leur mini Telec, qui est une sorte de Gigatelec version portative. Ils sont revenus à l'école des Rangers pour se venger, on les a défoncés deux fois de suite. Et là, on va aller se reposer en attendant notre prochaine mission. Et je suis très curieux de voir ce qui nous attend. Bonjour Ouli, j'ai besoin que tu te rendes à Terruptive immédiatement. Il n'y a pas que les Pokémon qui ont disparu, notre ranger en chef aussi. L'alarme a été déclenchée par la salle de contrôle du QG de la Fédération. Le signal de baraque a disparu de leur écran de contrôle. Si ton capstick fonctionnait, il émettrait un signal continu. Il n'a pas non plus fait son rapport. Je m'inquiète pour notre chef. Les techniciens de la Fédération ont dit qu'ils avaient perdu son signal dans le volcan de Terruptive. Connaissant Barak, il a dû laisser tomber son capstick dans la lave. Mais j'aimerais quand même que tu ailles à la recherche de Barak dans la Terruptive. En tant que chef intérimaire, je te confie cette mission. Ah, ça sent la grosse mission un peu compliquée ça. C'est une île volcanique. Il te faudra prendre le bateau au départ de Bonport pour t'y rendre. Ok, bah on va prendre un Dodio et on va y aller au plus vite. Tiens, je vais chercher le capstick. Et on va sauvegarder aussi parce que sinon... Si je meurs, ben on se retape tout le chemin. Et je hurle. Un Pokémon sur un garde avec Team Rocket. Je crois que ça existe en plus, il y a un fan game comme ça qui permet de faire ça. Mais bon, pas trop mon délire perso. Ouais, c'est par là. Ok. On va pouvoir prendre le bateau. Ça va être... Tiens, on sauvegarde encore ici. C'est bon. Si vous voulez voyager en bateau, vous devriez aller à l'auberge des marins. Les capitaines y passent de temps en temps. L'auberge des marins est juste ici. D'ailleurs, attendez, parce que vous parlez de jeux que vous aimeriez trop avoir. Regardez ce que j'ai vu sur Twitter il y a pas longtemps. Attends, comment on va faire? Et ça, c'est en fait, j'ai vu un mec qui avait fait ça. Et j'avais adoré le design. Et j'aimerais trop qu'il y ait un jeu comme ça. Mais juste un jeu. Pas 30 000 jeux, juste un jeu comme ça. Un mec avait fait ça pour le fun. Et ça rend trop bien. Et j'aimerais trop un jeu dans cette direction artistique. En mode un Pokémon open world, mais avec les graphismes des artworks des jeux Pokémon rouge et bleu. Et je sais pas, ça, je trouve que ça rend trop bien. Vous en pensez quoi? Mais juste un jeu, tu vois, vous voyez, genre une sorte de remake de Kanto, un Légende de Kanto ou un truc comme ça, mais avec ces graphismes là. Moi perso, j'aimerais bien. Stylé en vrai, t'as vu? J'adorais quand j'ai vu ça sur Twitter, j'ai liké de ouf. Les graphismes piquent un peu, mais ça passe. Bah justement, c'est inspiré des sprites de la 1G. Les dessins dans Pokémon rouge et bleu et vert, c'était des dessins comme ça à la base, des artworks. C'est pour ça, donc là ce serait full nostalgie et il y avait grave moyen de faire un bon truc avec ça. Mais bon, faut que ça arrive quoi, et je pense pas que ça arrivera. Mais bon, c'est cool quand même. Ouais, les graphismes Game Boy, ouais. Enfin, les graphismes des artworks de Game Boy du coup. Et pour les nostalgiques, ouais, ça plaît d'ouf. Je pense qu'ils sortent un jeu comme ça, un jeu Game Freak, où ils engagent le mec qui a fait ça. Ils vendent des palettes de jeux. Hein. Alors que même si le jeu est nul, hein, ils le vendent par milliers. Bref, on va à l'auberge. J'ai assez digressé. Et partons pour Volruptive. C'est pas ici.
Faut que je parle au marin, je pense. Vous pouvez faire voile avec moi jusqu'à Terruptive. À bord du Ruptif, ma plus grande fierté. Allez, on y va. Très bien, à lâcheté, Moussaillon. Le temps d'avaler mes pastilles contre le mal de mer. Et on lève l'ancre. Allez, let's go. Allons sauver Barak. Oh, des beaux trucs. J'ai oublié de prendre Cradopo, je suis con. C'est un spectacle à ne pas manquer. Une migration de baudrives, c'est très rare. Les baudrives d'Almia traversent la mer à cette période de l'année, portées par les vents saisonniers. Vous avez une chance de Moussaillon. Il est rare d'apercevoir des baudrives lors de leur migration. Les baudrives portent bonheur. C'est de bon augure pour ton aventure. Saisis ta chance. Par contre, j'aime bien la chanson. On a l'impression d'être en vacances. Pouette, 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 pouette. Bon, je pense qu'il y a beaucoup de Pokémon type feu. Levez les yeux pour voir le volcan de Terruptive. Baissez-les pour voir vos pieds. Pas mal comme conseil, ça, j'aime bien. Tu feras des Electrodes, genre Yo-Kai Watch, Mario Land, etc. Oui, sûrement. Un jour ou l'autre. Je peux pas te dire quand, parce qu'il y a tellement de jeux que j'ai envie de faire que c'est un peu compliqué. Mais ouais, pourquoi pas. Alors, qu'est-ce qu'il a comme capacité, Goyediz? Ambiance hawaïenne, ambiance Alola. On va le prendre avec nous, parce qu'il a jet d'eau. Et je sens que ça va nous servir pour une île volcanique. Pouette, 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 pouette. Pouette, 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 pouette. Oh! Un peu ambiance Vermilava de Owen. Tiens, on va sauvegarder aussi. Dans ce jeu, faut tout le temps sauvegarder, sinon on est mal barré. Ah oui, j'avoue, mais l'ambiance... La musique, elle m'ambiance trop. Ah, mais elle est trop bien. Bien, je vous souhaite bonne nuit, navré, demain je me lève tôt. Bah bonne nuit à toi, Nikov, et à très bientôt, on se reverra. Pouette, 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 pouette. Quoi, attends, les zaps faire partie de quoi? Sona, ok. Un autre ranger est venu hier. Et tous les Pokémon du village sont partis. Le grand ranger est parti aussi. D'accord, petite. Écoutez, on va explorer. Pouette, 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 pouette. Oh, sûrement ici. Si vous voulez entrer, il vous faut aller demander l'autorisation au doyen du village. Pareil pour l'entrée de droite. Ok, donc par là, je peux pas y aller. Le doyen. C'est toi le doyen? Avez-vous rendu visite au doyen du village? Bah dites-moi où est-ce qu'il est, sinon je peux pas le trouver. Pouette, pouette, pouette. Toi t'es pas un doyen, toi t'es trop jeune. Ah, papy. Qui êtes-vous? Vous êtes le ranger que je suis paru, non? Alors où sont les Pokémon? Oh, je savais pas ramener. Un grand-père, tu confonds les deux rangers. Ce ranger est à la recherche de celui qui a disparu. Depuis que notre Mime Junior a disparu, grand-père se sent tellement seul. Ah, vous n'avez pas besoin de vous justifier. J'autorise à rentrer dans la grotte par la gauche. Je vous demanderai sûrement d'essayer de retrouver notre monsieur Mime en échange. Allez, parfait. Oh, les baudrives. Ah, tes doublages. Eh oui, je fais pire rien, le vieux. Oh, je suis vieux. Ah oui.
Oh, vous avez l'autorisation d'entrée. Allez-y, je vous en prie, faites quand même bien attention où vous mettez les pieds. Ah oui, il fait chaud ici. Magnéti, on pourrait le prendre pour recharger le capstick si besoin. Allez hop. On va shooter. On va shooter tour vol parce qu'il me sert à rien tour vol. Oui, il est chaud pour le doublage, surtout pour la moto. Oh, oh ça la mèche. Trop bien. Des lits magma. Oh. Je pourrais passer dans la lave, mais pas pour l'instant. Je dois avoir un Pokémon qui me permet de nager dans la lave. D'accord. Là, il y a un Tritosaur. Tritosaur, c'est pas mal en vrai. Pour éteindre le feu. Mieux qu'un Golize. Allez, on y va tranquillement. Et il s'est capturé. Allez, Goeldis, ça dégage. Baudrif peut peut-être t'aider à traverser avec ses sortes de bras, non? Ça se pourrait. J'ai l'impression que c'est ça, oui. Bah écoutez, on va le prendre. Et on va shooter Dodio, je pense, parce que Dodio me sert à rien dans l'immédiat. Pont aérien. Oui, t'as raison, Enzo. Bien joué à toi. Vraiment, Capstick qui va level up très très vite. Allez hop. Désolé Dodio, mais au revoir. Donc ça doit être par là que je peux passer. La panique. Allez, on en reprend un autre. Ok, bon bah voilà, coup de chance, j'ai jamais joué au jeu. Bah écoute, tu es très perspicace. À la mèche, il y a une grotte ici avec le capstick de Barak. La tâche est cassée, mais le capstick n'a pas l'air endommagé. Je veux juste aller voir en bas ce qu'il y a. Il y a un lit magma et oh non, oh ça c'est dommage. Le perso qui est en full panique. Ok, encore les sombreros. La nuit dernière était un cauchemar. Ce n'était vraiment pas du gâteau de maîtriser ce grand ranger qui se battait comme un lion. On a dû s'y mettre à 8 pour réussir à l'attacher bien serré comme un saucisson. Pokémon Ranger, mon œil. Il devrait plutôt porter le titre de Pokémon Lutteur. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Mais j'ai cafouillé. J'avais bien pris son capstick, non? J'ai dû le perdre quelque part. Je l'avais éteint, donc ça ne devrait pas poser problème, mais... Ah. Hein? Qui est là? Oh, une demi-portion. Non, on dirait plutôt Ranger. Ah là, mon fil.
Ok, donc je dois en prendre un pour taper sur l'autre. Il fait quoi, Moufouette, à part puer? On sait pas, on va le prendre quand même dans le doute. Regardez, il pète, ce gros pion. Aïe, 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 aïe. J'ai des magnétiques pour changer mon capstick parce que là ça commence à être un peu dangereux. Voilà. J'ai pas de baudrive. Allez, on va pouvoir passer. Bon, j'espère qu'il y a une sortie plus simple, parce que bon, refaire tout le passage comme ça, ça va être un peu compliqué. Baudrive, je le trouve tellement mignon, ce Pokémon. Je trouve qu'il a un charme. Un nuage avec des yeux. Oh, petit Pikachu! Pika Pika! Aïe, aïe, aïe. Ah oui, ça va faire un bon chargeur de capstick. J'adore son sprite, par contre il est trop marrant. Mais ouais, Baudrive il est pas mal en vrai, j'aime bien. Oh, recharge niveau 3, mais lui, incroyable. Tu veux pas être mon partenaire? Ok, là c'est un mur. Donc, remonte par ici. Et un sbire. Hein? Tu files un mauvais compte en toi. Nous sommes les sombreros, nous pouvons commander les Pokémon. Démonstration immédiate. Ok, un Limagma et un Volcaropode. Il est nul le bruitage cette fois de Pikachu. Quoi? Mon Pikachu est incroyable. Mon Pika Pika. Je trouve que je l'imite trop bien Pikachu. Enfin, trop bien. Non, peut-être pas trop bien, mais je l'imite plutôt bien. Bon allez, ils sont un peu lents, donc ça va être un peu easy. Regardez, hop. Oh, j'ai eu chaud là. Aïe, 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 aïe. J'espère que je vais level up après ça, parce que sinon, mon capstick va prendre très très cher. Allez, on l'a presque attrapé. C'est bon. Je trouve que j'imite très bien Pikachu. Vous êtes un peu de mauvaise foi, les gens. Oh, oh, le presque level up. Carte Pikachu pour les combats contre les Pokémon, les boss, je viens de gros dommages. Ouais, c'est ce que je compte faire parce qu'en vrai, je vais bientôt level up, donc ça sert à rien de recharger le capstick maintenant. Alors que Pikachu, en vrai, ça a d'être une bonne strat de le garder avec nous pour les combats de boss. Allez, on continue. Il y a un Magmar, mais le Magmar ne sert à pas grand chose. Attention. Et là, il y a deux chemins. Soit par là, soit par là. Moi, je limite mieux. Ah, bah, moi, je t'en dois une preuve, hein, parce que. Je connais les gens qui disent ça, mais qui sont pas plus forts, hein. D'abord, hein. Oh, un Galégon! Ah, il est pas là. Ok, je peux voler, mais faut que je capture Baudrive avant. Il y a un autre Pikachu. Tu vas regretter ton intrusion. Tu vas avoir à en découdre. Je crois que Raichu, c'est pareil que dans l'autre Pokémon Ranger, il doit recharger 4 ou 5. Oh oui, il est quand même fort. Oh, un Kangourex. Ah oui.
Allez, là on combo un peu. Allez, j'ai presque capturé. On fait attention, on y va doucement, on prend notre temps. En plus, c'est pas des vrais boss, donc c'est assez facile. Et c'est bon. Allez, avec ça, je level up. Oui! Je passe au niveau 13, je gagne 2 de puissance, 2 d'énergie. Oh, j'aurais pas dû faire ça. Finalement, c'est moi qui regrette. Par contre, on va récupérer Baudriv. Viens là, toi. C'est bon, je l'ai eu. Moufouette, tu fouettes un peu, donc tu vas shooter un peu parce que tu sers à rien. Et là on peut monter. On retient qu'il y a un Pikachu ici. Et on continue. Voilà, on recapture notre Baudriv juste derrière. Bon, il est capturé. Cette capture était toute douce. Oui, je suis pris mon temps, j'étais comme ça, en mode tranquillou. Y a un chemin là-haut ou pas? Il y a un chemin qui mène à Magmar. On verra si on a besoin de Galégon. Pour l'instant, on va le. On va garder notre équipe actuelle. Il y a des. Polichombre. Pourquoi il y a des polichombres? Aïe aïe aïe. Aïe 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 aïe. Faut aller vite avec Polichon. Vite. Allez, laisse-toi faire. Putain, c'est compliqué pour les chombres. Non. C'est bon, je l'ai eu. J'espère moins que ça sert à quelque chose. Force psy. Je sais pas ce que c'est, mais j'espère que ça vaut le coup. On va aller chercher la psych avec un autre Pikachu parce que là, je suis pas bien. Ah, mais faut que je fasse tout le tour. Oh non. Oh, trop chiant. Ah oui, j'ai vraiment pas d'autre choix. Bah écoutez, on va descendre. Hein. En espérant tomber sur notre Pikachu. Sinon, on est mort.
Ah non, mais je suis tombé au point de... D'accord. Écoutez, on va recharger le capstick avec Pikachu et... Et après, on sera parti, hein. Par contre, je prends très très cher. J'ai intérêt à faire d'autres missions secondaires pour gagner des résistances, parce que là, ça va pas du tout. Il est pas mal. Je dois peut-être encore recapturer un, mais... Je sais pas. Je sais pas. Déjà, on va récupérer Beaudrive. Et là, on va réfléchir à ce que j'ai besoin de faire. Ok, la suite est là. Tada! Plan B, je vais faire exploser la dynamite qu'on a mise en place. Maintenant. Super, vraiment magnifique. Pas vraiment en fait. Nous voilà bloqués de ce côté aussi. Nous étions censés faire exploser la charge une fois de l'autre côté du tunnel. Comment on a fait pour retourner au port secret maintenant, espèce de pachyderme? Tu m'as traité de pachyderme là? Tu te défends pas mal non plus. Qui vient de parler du port secret? On doit le garder secret justement pour partir discrètement avec les Pokémon. Il faut vraiment qu'on se taise, on a vraiment trop dit. Voyage niveau 2. Bah, je pense qu'un... Un rhinocorne peut faire ça s'il me défonce pas. Aïe 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 aïe. Je prends trop cher. Faut que je me trouve un Pikachu. Charge niveau 2. Je crois que c'est pas ce qu'il me faut. Bah écoute. Tritosaure nous sert à rien, donc on va le rejeter. Et on verra. On va prendre Pikachu aussi, tant qu'on y est. Se faire un capstick tout neuf. C'est bon. C'est bon, mon capstick est comme neuf. On va pouvoir continuer. Et je pense que j'ai de quoi casser ce rocher. C'est quoi ça? Force psy. Allez, je sais pas à quoi ça sert, mais bon. Oh là! D'accord. Allez, on y va doucement. Allez, on fait un petit combo. Là, on est pas mal. On est moins bien d'un coup.
Allez, on enchaîne, on enchaîne. On esquive. On enchaîne doucement. On fait un grand rond. On attend. On attend. Et on est reparti. On y va doucement. Encore un tour et c'est bon. Et c'est bon, je l'ai eu. Brouillage niveau 3. Ah, ça pourra me servir. Oh, le bruit dégueulasse. On dirait un mec qui remue sa main dans les toilettes. Oh, le Pikachu, faut qu'il recharge mon capstick aussi, lui aussi. Brouillage niveau 2. Hop. Parfait. On va récupérer Pikachu. Oh, je savais que tu réussirais, Ranger. Eh bien, il est temps pour nous de partir. Merci, nous te serons reconnaissants pendant au moins une seconde. Attendez, je reviens. Là, on prend Pikachu. Parce que s'il y a un boss, je suis pas bien. C'est bon, je l'ai eu. Bientôt le niveau 14. Et du coup, je pense que là, on va finir notre mission. Une seconde, c'est déjà mieux que 0 seconde. C'est pas faux. J'ai oublié que tu nous avais aidé. Par contre, je me rappelle avoir un mini télèque tout neuf pour te montrer ma coquille commande ici. Ok, 3 chamallows. Ça devrait aller. Ina, il est quasiment capturé. Et voilà, 1-2-1. On enchaîne sur lui. Allez, c'est presque capturé. Et c'est bon. On va leur coûter cher en mini-telec, hein, ça continue. Ça en fait déjà 3-4 compètes. Tu veux essayer de t'aventurer par là? Nos gardes auront vite fait de te montrer la sortie d'un coup de pied au derrière. En vrai, il est cool ce jeu, moi j'aime bien. Oh, une sauvegarde. Et le Mime Junior qu'il faut sauver. Et Barak. Bande de voyous. Retenez bien mon nom, Barak. Ceux qui m'ont sonné bien serré ne sortiront pas comme ça. Cesse de nous hurler dans les oreilles. Tu fais partie du changement, alors tais-toi. Hop là, petite sauvegarde. On va recharger le capstick aussi. Profitons-en. Et là, je pense qu'on va commencer le combat de boss. Je le sens bien. Allez hop. Recharge.
S'il te plaît, Pikachu. Hop, deuxième sauvegarde. Ça sent le boss. Oh, que oui. Et on va récupérer Mime Junior aussi, pour le vieux papy. Chargement terminé. Nous allons apparier dans 2 minutes. Garde, ouvrez l'œil et le bon. Oh, faut que je me dépêche, je le sens. Quelles sont les procédures à suivre lors du repérage d'un intrus? Les grands, on les saucissonne, les petits, on les éjecte. Merde, ils vont m'éjecter. Ok. Ok, on fait attention. Merde. C'est pas un endroit pour les enfants ici. Tu vas une soirée déguisée? Ce costume te va bien? Oh putain, quel con. On réessaye. 3 minutes. Ah oui, les mecs sont sympas. Ils ont rallongé le temps pour moi. Ouais, là faut que je fasse par là. Là je monte là. Lui là. Il passe par là, moi je me cache là-haut. Là je me cache là. Et là je suis bon. Bah alors. Pas d'effronterie. Et ne monte pas à bord de ce bateau. Ce cargo est en route pour une destination secrète. Nous allons t'assommer pour que tu ne puisses pas nous suivre. Oula, ça commence à être un peu hardcore. Ça va être chaud, je pense. J'ai pas une Pokéball utile. En vrai, bof, hein. Ah, je stresse. Faut que j'arrête. Faut que je me calme. Oh, lui, je l'ai presque eu. Ça fait quoi? Une flaque toxique. Ça fatigue comme ça. Là, je fatigue. Ok, on va essayer ça. Ah, mais c'est le mauvais qui est fatigué. C'est bon, je vais capturer un. C'est bon. Et là, ça va être easy.
J'ai du mal quand tous les Pokémon bougent dans tous les sens comme ça. Bon, moi je level up. Ça répare le capstick, je passe au niveau 14, je gagne 2 de puissance, 2 d'énergie encore une fois. On nous a signalé qu'un vrai ranger rôde dans les environs. Les gros nuls de la division sirène ont refusé de nous écouter sous prétexte que l'indésirable était trop jeune. Et voilà le résultat. Ici votre capitaine, le cargo va maintenant enlever l'ancre à destination de la planque. Tout le monde à son poste. Or vite. Mission à la recherche de Barak. Ok, bah écoutez, on y va. Mais je pense qu'on fera ça dans le prochain épisode. Parce que là, ça fera un épisode déjà assez long. Comme ça, on fera une partie 1 volcan, une partie 2 Barak. Du coup, pour ceux qui regardent la rediff, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve très vite pour la suite de notre let's play sur Pokémon Ranger Nuit sur Almir. Et d'ici là, je vous dis à très bientôt.